is no ordinary world. Somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. Répète, on sait pas s'il est mort. J'espère que c'est le cas. Sinon... Sinon quoi? Parlez-nous plutôt de ce navire. Le Sangre de Toro était un cargo panaméen. Il a disparu en 49 près des côtes du Pérou. Et vous savez pas ce qu'il transportait, ni comment il a fini dans le désert, ni pourquoi il s'y intéresse? Non, c'est vrai. Mais s'il le veut, alors on le veut aussi. Bonne chance. Hé hey, je crois que j'ai une solution. Ouais, compris. Agarre. Tout le monde descend. Je vais pas plus loin. Pour localiser le Sangre de Toro. Je comprends toujours pas pourquoi Kirilenko cherche ce vieux cargo. Mystère. Rider, ici Bravo 2-2. Voici, tu trouves quelque chose sur la fréquence 0-1-1 Alpha. Ok, ouais, j'ai trois signaux. Je t'envoie ça sur ta carte. Butez-le!
doit continuer à grimper.
cette station. Je m'en charge. Voilà, c'est fait. Mais... Et merde. Preston, je vais devoir rester ici pour maintenir le signal. Va falloir que tu changes de position pendant que je fais certains réglages. Et moi, j'en profite pour voir ce que je peux découvrir sur ce cher Aguayer. Oh ouais, Sangre de Toro. Enfin, je te tiens, mon joli petit navire fantôme. Je t'envoie les coordonnées tout de suite. Ok, il y en a marre de marcher. On va prendre ce véhicule. On va se faire toucher. Stop. On va se faire toucher. Thank you.
Stop. Stop. On va se faire toucher. Faire tourner ce cadran. Ça a marché. Ça a marché. Je suis vraiment surpuissant. Hey, si jamais il m'arrive quelque chose, vous savez, je veux qu'on m'enterre près du stade des Cowboys, au Texas.
quoi se faire piéger. Continue comme ça. Direction. Le chemin là-haut mène jusqu'à l'antenne. Merde, c'est qu'on va être sacrément à découvert. Si jamais quelqu'un nous voit... Ouais.
avait raison. Ces boutons, celui-ci, alors celui-là, ah, je savais bien que j'aurais dû faire des études. Je sais même pas utiliser un ordinateur. Hey, voilà. Ok, continuez sans moi, je me débrouille. Bien joué, Marlowe. Triangulation réussie. Tu devrais voir le cargo sur ta carte maintenant. On doit rester près des antennes pour maintenir le signal, Marlowe. Bon, à toi de jouer, mec. Et voilà. Je me retrouvais dans un cargo soi-disant disparu, à chercher quelque chose qui aurait dû rester enfoui.
Mais j'avais mes raisons. Moi aussi, je voulais rentrer. Et puis je l'ai trouvé. Et c'est là que tout a basculé. C'est cette fameuse opération Aurore. Je crois qu'on a tapé dans le mille. Quoi ? Mais c'est génial ! Sergent, laissez-moi lui parler ! Continue, Preston ! Non, attends, je connecte tes voyeurs aussi ! Ok ! Ouais. Waouh ! Apparemment, on savait que les Japonais possédaient la technologie scalaire dès 1943. L'opération Aurore, c'était une mission suicide. Et on a sacrifié tous ces soldats. Tous. Wyatt. Faraday. Wyatt ? Ils savaient ? Ouais. Ils avaient même estimé les pertes à l'avance. Ils voulaient sûrement vérifier les capacités de l'arme. Minute. Bon, vérifiez ce code. Sierra Foxtrot 1079. C'est bien un préfixe militaire américain, mais je ne trouve rien du tout. Il y en a beaucoup ? Difficile à dire. J'en vois qu'un. Prends-le et ressors au plus vite. Ça craint vraiment. On retire tous nos agents de la zone. Bien reçu.